jour se lève. Ça va toujours bien bien vite là, on est à 11 nœuds, 11 nœuds, 12 nœuds, 10 nœuds, 11 nœuds de moyenne. Et pas beaucoup dormi, c'est pas facile de lâcher la barre pour aller dormir. Olé, ça mouille. C'est l'heure du petit repas, il est 21h30, ça se passe toujours bien. Là, si vous voyez, nous on est au centre, et les poursuivants c'est les bateaux ici. Le grand spi, absolu, on voit les solentes. Le soleil va se coucher, c'est des super conditions là. C'est cool. Ciao, ciao. Alors on voit les côtes espagnoles, on rentre dans la baie de Riron. Le dernier petit exercice, c'est un empannage à faire là, et après c'est tout droit au port. Et normalement on est premier si on fait pas de conneries d'ici là. Le bateau va vite. Je crois que le bateau va très vite. Changement d'ambiance. La mer c'est. Enfin le vent et la mer sont bien calmés là depuis quelques heures. Et je me suis tapé un petit coup de stress par rapport à mon positionnement. Du coup là j'essaye de. En fait les poursuivants sont par là-bas. On va là-bas et j'essaye de me replacer entre eux et la route, quitte à faire un peu plus de chemin, mais vu que là ça a l'air de partir en mode vent aléatoire et dorsal, du coup je préfère marquer les adversaires et essayer de pas prendre de risques parce que j'ai déjà fait cette bêtise là cette année. Du coup j'essaye de me replacer là devant eux et voilà, bah non, ça devrait le faire. Bon bah c'est sympa, on peut sécher et le bateau sèche et moi aussi, c'est cool. Et il fait beau.